que je pourrais admettre que Starfield c'est supérieur à SC quand il sortira. Mais tu sais, en fait, j'en parlais hier à Panda quand je l'avais vu au tournage. J'ai vu plein de gens qui m'ont tagué pour me dire alors, t'es pas trop dégoûté, hein. Starfield, il est bien mieux que Star Citizen, visiblement. Vous savez, au pire, les gars, on peut jouer aux deux. T'as l'impression, c'est quoi? Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de jouer aux deux. faut choisir. Ça, ouais. Alors là, par contre, please devs, hein, Bethesda, si vous me regardez, please devs, je veux la montre. Je veux la montre pour pouvoir regarder si l'air est respirable sur mon poignet. C'est indispensable. Je ne peux pas jouer, vraiment pas du tout, ni jouer ni communiquer sur Starfield si j'ai pas cette montre. Bah, achète-la. Je vais pas acheter des jeux vidéo. Tu me prends pour qui, quoi? Mec. Non, non. Moi, je préfère recevoir les trucs et ne pas y toucher, en fait. Je crois que le meilleur kit presse que j'avais reçu, je crois que c'était c'était Batman, mais c'est pas moi qui l'ai gardé. Après, j'en ai des sympas, j'en ai quand même des bien. Vas-y, j'ouvre la collector Borderlands. Vas-y, je fais ouverture de collector, là, on fait... C'est des vraies roses, ça? Oh, ouf. Bon, j'ai un truc de Borderlands, mais j'ai surtout un truc rempli de roses, mais peut-être que je le jette, parce que ça a l'air d'être des vraies roses. Oh, attendez, je vais peut-être... C'est des roses. Des roses périmées. C'est pour te prouver mon amour, chérie. Des roses fanées, périmées et moisies. Un peu comme notre couple. Oui, je fais le ménage. Après, il y avait ça, vas-y. Il y avait ce coussin, et ce coussin, je l'ai... ce coussin, je l'ai gardé, parce que il y a plein de couleurs dessus, et bébé, il adore. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est Tropicaux! Bah, il était temps que j'ouvre, hein. Oh, j'ai un calendrier de 2019! Trop bien! Regardez, c'est un calendrier de 2019! Bah, c'est cool, hein. Attends, je regarde ce que j'ai d'autre. Ça, c'est une collector de Hitman. C'est vieux, hein, du coup, c'est avec une espèce de truc en bois, un peu en relief, machin, qui est cool. Et je crois qu'il y a une mallette avec, et je me souviens même pas si je l'ai déjà ouvert, ou si je l'ai juste rangé en mode, je verrai ça plus tard. Ça, c'est quoi, ça? Ah ouais, c'est les lunettes de Kéké. Je me souviens de ça. C'est des lunettes avec le casque intégré. Comme ça, t'as vraiment l'air con. Là, regardez, tu mets les yeux comme ça. T'as une carte SD, là. Ah bah, c'est une collector Hitman 2, en fait. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, de toute façon, je les garde, hein. Mon expérience du rétro gaming me fait dire que peut-être ça vaudra cher plus tard. Ah, attends, tu peux le brancher. Qu'est-ce que c'est, ce port? J'ai jamais vu un port aussi petit. Voyons. Attends. Il se passe rien, j'ai le truc devant le nez, j'ai l'air con. Vidéo, il y a marqué vidéo glace. Ah, c'est un petit écran, je peux voir. Je peux voir des films et des images et de la musique. Bon, alors du coup, c'est trop chiant ça, mais je peux le connecter sur mon PC. Et comme ça, je vois en 14 pixels par 14. Attends, attends, ça m'a ouvert une vidéo. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a ouvert une vidéo, il y a une vidéo qui s'appelle Fred dedans. Attends, reveal. Le message secret 5 ans après. Peut-être c'est quelqu'un qui va me prévenir pour le 11 septembre. T'es. Surtout, préviens. Préviens les autorités. Il y a un virus qui va se répandre en 2019. Préviens tout le monde. Agent 47 Fred. Ça me donne, ça fait un peu Rabbi Jacob, là, les trucs sur le côté. C'est trop... Eh, franchement, je suis cyber rabbin. Ok, j'ai copié le fichier. HM2 Agent 47 Fred. Mais c'est la vraie voix? The fuck? Je découvre ça que maintenant? Attends. C'est la vraie voix de Hitman, en fait. Hello, Fred. Do not mistake this message for an offer of friendship. Your name was passed to me by someone I'm inclined to trust. She has been watching you and believes you have the potential to be a silent assassin. Can you be a silent assassin? Can you perform on my level? Or will you slip up like all the others? Putain, j'ai un message de Dr. Cox. Himself. Non, mais écoutez, il dit Fred au début. Hello, Fred. Eh. C'est pas un truc de fou de découvrir ça, genre, des années après. Bah, ok, bah merci. Hein. Désolé. Désolé, je regarde pas ma messagerie souvent. Il se peut que j'ai loupé le message. J'ai 5 ans de retard, quoi. Allez, t'es bien, Hitman 3, non, 2, pardon. Ouais, j'avoue, il doit y avoir un développeur, là, chez Hitman, qui est en mode, putain, enfin. Comme j'ai trop de choses, comme on en reçoit beaucoup, mais des fois... Bah, j'oublie de les ouvrir, et du coup, il se passe ça. Tu les revends pas pour de le dire? Ah non, surtout pas, ah non. Les collecteurs, même si, effectivement, je les déballe après, je les garde toutes précieusement, j'en jette aucune, je revends jamais rien, je garde tout pour moi, et je les garde pour moi, pour ensuite les mettre dans mon décor, ou dans mon studio, ou j'en sais rien, quoi.